Salut. Je suis avec Rick actuellement, Sora et Siro sont en retard, comme vous pouvez le voir. Hein. Est-ce que ça t'étonne, toi? Moi, perso, ça m'étonne pas du tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme jeu à faire ici? N'hésitez pas à me dire si jamais la musique YouTube est trop... Ah, je me suis ratée. Si elle est trop forte. C'est dur à faire. En vrai, c'est dur à viser. Attends. Oh, yes! Oh, je dis ça comme ça, mais c'est le deuxième que je mets. Hein. Pour l'instant, moi, j'ai aucun raté, moi. J'ai aucun raté, regarde ça. Mais non! Regarde! Mais regarde! Regarde à l'intérieur, tu verras, ils sont tous dedans. Mais, puisque je te le dis... Oh, regarde, tu me portes poisse! Vas-y. Non, tu vas beaucoup mourir, c'est différent. Tu peux emporter Sora et Siro si tu veux. Non, je regarde, je vérifie quand même sur Discord s'ils ont rien à me dire là. Non, Sora a lancé son live, donc normalement il devrait bientôt venir. On aurait eu le temps de gagner au moins deux games là, sans eux, je crois. Ah ouais, si, si, grave. T'inquiète, je suis sûre que Sora viendra t'aider. Il va te sauver. Je sais pas qui est en bas là actuellement, mais je lui balance des briques. C'est qui ça? C'est qui? Bon, je vais voir qui c'est. C'est Sora. Ah bah tiens. Bah tiens. Il est parti où? Trop bizarre, hein. Ah, c'est parce qu'il a changé de... Attends, non. Bah, si. Bah, il a changé en fait, mais c'est juste que le tableau de bord, il est pas à jour. Ah ouais, en fait, je crois que quand quelqu'un change d'apparence, bah maintenant vous êtes tous les deux pareils. C'est ça le problème. Salut! Mais... Ah, c'est Siro! Ah, mais Sora a disparu et c'est Siro qui est apparu! Mais je comprends plus rien ce qui se passe. Alors déjà, il y a des doubles là, il y a deux clones. Ensuite, quand Sora a disparu, c'est Siro qui est réapparu. En fait, sur le tableau de bord, ça ne change pas. Hein. Il y a un truc qui ne change pas sur le tableau de bord. Moi? Oh non, mon micro qui fait n'importe quoi. Comment est-ce que c'est là? Est-ce que c'est mieux? Ah le pire, ah punaise, il va falloir que je m'entende en double. Ah le pire, ah punaise, il va falloir que je m'entende en double. J'ai entendu ça. Est-ce qu'on entend ma musique? Est-ce qu'on entend ma musique? Non, ça va. T'inquiète pas, on n'entend pas Ah mais le but c'est qu'on entende. Le but c'est qu'on entende un peu. Le but. Est-ce que là ce serait mieux? Est-ce que là ce serait mieux? Est-ce que là ce serait mieux? Test 1, 2. Voilà, là c'est mieux normalement. Il y a beaucoup. Je t'entends, Sora, je t'entends. Il y a beaucoup. Je t'entends, Sora, je t'entends. Ultra faible. Je t'entends, Sora, je t'entends. Ultra faible. Galère. Oh punaise, mais c'est quoi ce soir? Oh punaise, mais c'est quoi ce soir? Oh punaise,
Est-ce qu'on entend ma musique, s'il vous plaît? Dites-moi qu'on l'entend un peu, ou si on l'entend trop fort. Dites-moi qu'on l'entend un peu. Il est supposé. Non, sur mon... Non, non, mais sur mon stream. Ouais. Yeah. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aidez-moi. Mange ta glace, ouais. Déjà, j'augmente Sora. Comme ça, j'entends mieux. Oui, un tout petit peu. Ah, un tout petit peu. Attends, mais je vais l'augmenter, ça va pas. Je vais augmenter directement comme ça. Ah, vas-y, on va aller sur Wheel Street. Intermédiaire, c'est bien, non? Intermédiaire, moi, je trouve. Mais il y a deux nep-nep maintenant. Mais c'est quoi, ça? Mais qu'est-ce que ces conneries? Ah! Et Rick, ouais, t'avais planté en plus. Mais c'est quoi ça? Bon, De l'horreur, ouais, c'est... Punaise. Mais qui a organisé cette soirée? Moi, je vous le demande. Attends, vas-y, je vais mettre... Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va faire comme si. Et je vais mettre mon... Je vais mettre mes trucs. Voilà. Ah, j'ai ajouté... Est-ce qu'on a bien le matériel? Alors, la PLS ou pas? Ah ben, un petit peu, hein. Suite à... Vous parlez, là? D'accord. Est-ce que moi j'ai mis mon... Est-ce que moi j'ai mis mon matos? Est-ce que ça marche? D'accord. Moi, attends, je me suis pas mis prêt, donc je me mets prêt. Mais c'est vrai, il y en a un qui est prêt et il y en a un qui est pas prêt. Attends, je vais aller les engueuler. Ouh, il y a un nep-nep qui est pas prêt. D'accord, c'est celui de l'autre nep-nep alors qui est pas prêt. Nep-nep. Ok. Je vais regarder du coup. C'est... Non, il y en a un qui est toujours pas prêt. Mais c'est qui ce qui se fout de moi là? Qu'est-ce qui se fout de ma gueule? Oh, bon bah écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de ah mince shit qui veut host la game? Ouais. Merci pour l'abonnement Kouti, puis ben on galère. 16 mois déjà et B. Ça va être toi ouais Sora. Bon ben on se retrouve dans 2 minutes. Ouais. Ah ouais? Sora, effectivement, c'est Rick, il faut rappeler Rick. Reviens, Nep-Nep. Nep-Nep, t'es où? Comment je peux le prévenir sur Discord? Bah, c'est pas grave, on va rejoindre Sora du coup. Je vais aller voir ici. Comment ça va, Kouti d'ailleurs? Ah mais quel enfer quand même ce truc hein. Allez, on y retourne, quitter la session, oui. Ah. Alors. Multi. Rejoindre une partie privée. Alors, on a un Sora, on a un Nep-Nep. Moi c'est bon. Qu'est-ce qui t'embête? C'est pas gentil. Qu'est-ce que tu fais, Eric? The fuck? Bah moi, il bouge. Je crois que c'était Woody. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais...
Bon, il faut que je remette mon matos du coup, bien ça ira quand même comme ça. Alors Willow Street, ok. Je t'ai vu mettre en professionnel. Ah, on joue en professionnel du coup ? Moi c'est bon, je suis prête. Ah, tout le monde s'est mis pas prêt du coup. Voilà, normalement ça devrait être bon, tu peux démarrer. Bon. Allez, vas-y là. Un petit peu de jeu, là, un petit peu d'action. Là. Il est où ? Le matos. Le matos. Ah. Qui est-ce qui s'est précipité sur la grosse lampe là ? Évidemment, j'aurais dû m'en douter. qu'est-ce que vous prenez, vous ? Ça marche. Ben, je vais prendre un livre. Je vais prendre un thermomètre pour chercher avec les gens. Finalement, il n'y a pas besoin de thermomètre. Dans le garage, t'es sûr ? Ok. Non, bah, j'imagine qu'il doit être dans le garage. Hein. Personne n'a pris de ça. Ah bah, j'ai tout. C'est quoi l'objet maudit ? Moi, je vais chercher l'objet maudit. Il est où l'objet maudit ? Chercher maudit. Ah, il est là, c'est le miroir. Est-ce que quelqu'un a pris un appareil photo ? Des fois. Ah, c'est pas sérieux, ça. Là, ici ! Ouais, trop bien. Vas-y, ouais, éteins. Moi, je vais poser ce livre. Et je m'en vais. On n'a même pas regardé comment il s'appelle. On n'a pas regardé les objectifs secondaires. On n'a rien fait. Alors, c'est quoi son nom et les objectifs secondaires et tout ça, là ? On n'a rien fait, en fait. Hein. C'est pas très sérieux. Alors, comment qu'il s'appelle ? Oh punaise, le nom couché dehors. Il s'appelle Jazz Jackson. Jazz Jackson. Oh punaise. C'est nul. Détecter un son d'origine paranormale. Ok. Détecter la présence d'entité avec un capteur de mouvement. Ok. Empêcher l'entité. EMF... Ah ok, EMF5. Allez, écriture. Très bien. EMF5, écriture. Je vais essayer de détecter du son. Je vais aller poser un truc pour le son. Oui, j'ai entendu. Je vais poser un micro pour valider un objectif. Il y en a un qui essaie de parler. Y a pas un autre truc que détecter... Attends, je regarde dans les objectifs. Y a bien un truc... J'ai pas rêvé, y a un objectif. Ah, mais je me suis complètement foirée, du coup. C'est pas grave, je ramène un capteur. Je me suis foirée. Alors... Un capteur de mouvement... Attends, si c'est un esprit, normalement, il devrait être gentil. Ce sont des entités très banales. Ah. C'est une ombre. Je vais quand même déposer le détecteur de mouvement, histoire qu'on ait un objectif en plus. Punaise. Si j'y vais, je sens mal. Je vais y aller toute seule. Il va attaquer.
Jazz Jackson, est-ce que vous écoutez du jazz? Allez-y, je vous invite à passer dans le petit faisceau rouge. S'il vous plaît. Jazz Jackson. Ses parents devaient aimer le jazz. Pour ça, encore faudrait-il qu'elle attaque. Je crois que les ombres, c'est un peu timide, non? L'ombre est une entité timide. Sans aucune ombre, ce sera toute activité si plusieurs personnes sont à proximité. Elle ne tentera pas une chasse si des gens sont à proximité. Oh, elle est timide, bébou. Bah attends, mais j'ai pas besoin de ça du coup. Je vais prendre juste un crucifix sur moi. Quoique, un burrito, c'est peut-être plus utile. Attends, je vais prendre un burrito. Arrête! Shit! Merci. Parce qu'avant, ça ressemblait à des burritos. Avant, le bâton d'encens ressemblait à des burritos, donc j'appelle ça un burrito. Laissez-moi tranquille. C'était mieux avant, ouais. Jazz Jackson. Attends, il aime pas quand il y a plusieurs personnes. Jazz Jackson. Ouh. Non, pour l'instant, il attaque pas, non. Pour l'instant, il fait rien. Non. Non plus. Toujours pas. Qui tu veux transformer en burrito? Mais non, Suita, je veux transformer personne en burrito. Ce que j'étais en train d'expliquer, c'est que avant d'avoir cette apparence-ci, là, celle-là, celle que j'ai en main, ben, les bâtons d'encens ressemblaient à des petits burritos. Et moi, j'ai toujours appelé ça des burritos, du coup. Pourquoi je changerais? Jazz Jackson. Où êtes-vous? Tiens, Suita, est-ce qu'on entend la musique de fond ou est-ce qu'il faut que je l'augmente? Jazz Jackson! Jazz! Come on, Jazz! Ouh! Jazzy! C'est des... c'est une salle au trésor ici maintenant. Je peux pas sauter donc je suis obligée de déclencher l'alarme. Voilà. Jazz Jackson. Ben en fait, je suis toute seule. Attends, on a des caméras portatives ou pas? Ben vas-y, je vais en mettre une. Et salut Docteur Ghoul. Docteur Ghoul, comment vas-tu? Et s'il te plaît, dis-moi, est-ce qu'on entend la musique de fond ou pas? Est-ce qu'on entend la musique que j'ai mis exprès pour vous, pour vos belles oreilles? Je vais prendre ça, comme ça vous allez pouvoir observer ce qui se passe. Comment on fait pour l'allumer ce truc? C'était... Ça va et toi? Oui, ça va. Je retourne avec mon burrito. Là, normalement, vous êtes supposé entendre du beau piano en fond. Vous voyez quelque chose? Est-ce que ma caméra est allumée? Ok. Alors attends, je règle juste un truc. Faut que j'augmente le son de la musique YouTube. Est-ce que là vous entendez la musique YouTube? Transition. Jazz Jackson. Ah, je vais fermer la porte. C'est peut-être ça qui... Jazz Jackson.
Où êtes-vous ? Donnez-moi un signe. Diaz ? Oh punaise. Oui, est-ce que c'est trop fort ou est-ce que ça va ? Diaz ? Jackson ? Donnez-moi un signe. Donnez-moi un signe. Il y a quelqu'un qui s'amuse avec les portes. Ça va, ok. Jazz Jackson! Oui? C'est quoi le problème? Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Non, c'est vrai. Siro ou Oris, est-ce que Sora aurait dit quelque chose de dommageable à propos des glaces? Ah, mais là tu cherches aussi. Si. Ah, mais faut pas plaisanter avec Siro. Tu sais très bien qu'il y a Oris qui est derrière et qui est un peu susceptible. En vrai, si t'as envie, moi je dis rien. Je ne dis pas non. Diaz Jackson, si jamais il faut, tuer Sora d'abord. Diaz Jackson, où es-tu, s'il te plaît? Donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Tuez-moi. Ouh. Ce fantôme, il fait que dalle. Diaz Jackson. Diaz Jackson, tu pues! Pardon? C'est vrai. Fair point. Qui te dit qu'on se comporte pas comme le plus instinctif des animaux? Bon bah écoutez, mettez que c'est une ombre, puis voilà. Y a rien d'autre. Pourtant j'ai pas arrêté. Mais regardez ma santé mentale, mais c'est indécent. À 9 pourtant, il m'attaque pas. Mais on est en professionnel ou on est en version crèche là? Quoi? Il est content que je m'en aille, mais il est content que je me sois barré, ce con. Ouh. Ouais, viens, on part sans eux. Vas-y. Ferme la voiture. Ferme la voiture. Ils sont sur le truc. Regarde les deux. Vas-y, ramène Doris. Pire, tu sais, tu connais la solution, hein, ramène Doris. Bah, je pense aussi. Hein. Bon, vous ramenez tout de suite au camion, sinon c'est Doris qui vous ramène. Merci! Oh, quel enfer alors, hein! Oh là là! Dissipez ces gamins, dissipez!
voyez avec quoi on est obligé de traiter. C'est même pas des stagiaires à ce niveau-là. Hein. Moi j'étais. Il y a pas eu de fantôme. Il y avait pas de fantôme, c'était un mensonge. Ah, j'ai trouvé un microphone parabolique. C'est moi, je pense qu'on est juste entré, on a trouvé un livre et où il était écrit des trucs dedans. Il faisait un petit peu froid, on s'est dit ouais, c'est un fantôme, c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Et en plus, on a fait payer les gens plus de 1000 balles pour leur dire quelque chose qu'ils pouvaient savoir eux-mêmes. Ah, le capitalisme. L'agent immobilier n'a pas jugé bon d'en parler. Ah, oh, il s'appelle Ted Myers, de la famille de Michael. C'est un frère, un truc comme ça. Je pense. Hein. Un cousin éloigné, ouais, je pense. C'est vu comme il est con, ça m'étonnerait pas que ce soit effectivement un cousin éloigné et un frère à la fois. Oui, ouais. Attends, on va regarder s'ils ont mis leur caméra là, les deux zozos. Non, ils ont pas mis de caméra. Qu'est-ce que j'ai que... Nice. Vas-y, j'y vais. Attends, je l'allume. Voilà. Est-ce que tu... Est-ce que c'est OK? Regarde un coup sur le truc de la caméra si... OK. Bah, let's go. Parce qu'on ne veut pas compter sur les deux autres zozos, hein. Vous avez rétabli l'électricité, là? C'est bien. T'es électricien? Il regarde les orbes, arrête. Ah oui, dans le garage? Ok, alors attends, je regarde et tu me dis stop. Ah, t'es là, ok. C'est ici, d'accord. Oui, d'accord, oui, on a compris. Alors, je regardais un petit peu la température ici. On est à 8 degrés, ça me paraît bien. Ça me paraît très très bien même, hein. Alors attends, je vais juste éteindre vite fait, moi, du coup. Ted Myers. Où êtes-vous? Donnez-moi un signe. Donne-moi un canard. Ah, c'est dommage, la phrase n'est pas reconnue. Oh, comme c'est dommage. Bon bah, je laisse des trucs sur place. Surtout le chat, n'hésitez pas à me dire si jamais la musique est trop forte. Hein. Faudrait que je fasse... Non. Désolé, il y avait quelque chose... Quelque chose m'a traversé la tête, mais finalement, je ne le dirai pas. Quoi? Moi, il voulait pas me parler? C'est pas juste. D'habitude, ils veulent me parler. Ben, j'espère que c'est une banshee, et puis j'espère qu'elle va le chasser. Voilà. Attends, est-ce que ça peut être une banshee? Non, t'as de la chance, Spirit Box, elle répond pas. Ça peut être un mimique.
Cauchemar et Kayan. Bah pour le cauchemar, c'est très simple. Hein. S'il se met à éteindre toutes les lumières, c'est que c'est... Quoi ? Oui, certes. Mais si c'est un mimique, si c'est un mimique, normalement, il doit y avoir pas mal d'orbes. Ah bon ? Ah, mais oui, mais... Bah, il faut trouver la dernière preuve, alors. C'est quoi la dernière preuve du cauchemar ? C'est une preuve que je connais pas, ça. Le livre, ben... On va poser un livre. Puis il y a quoi d'autre à faire ? Un son d'origine paranormale. Zone près de l'entité à l'aide d'encens. Oh, le burrito. Trouver des preuves d'activité paranormale avec un détecteur neuf. Moi, je vais avec le détecteur. Bonsoir, Bonsoir, Exia. Comment vas-tu ? Exia, dis-moi si le son de la musique est trop fort ou pas. À chaque fois, j'ai des doutes. Alors, je suis sûre qu'il va avoir vachement envie de se montrer après ça, tiens. Non, ça va, il est même plutôt faible, mais ça va. Attends, c'est parce que la musique, elle est toute petite. C'est une toute petite musique. Eh ben, ça va à peu près, d'accord. Oh ! On parle de musique et il fait du piano. Il est trop intelligent, ce fantôme. Ok, je crois que pour le détecteur EMF, c'est fait. J'ai détecté quelque chose. On n'a pas trouvé l'os. Non, mais c'est bon, j'ai compris. T'es un pianiste. Très bien. On n'a pas trouvé l'os, je crois, si. Ok, je vais chercher après. Oh. Je suis intangible. Attends, par contre, ça va pas aller si je vois plus rien. Là, y a rien. Pareil, combien qu'il va y avoir une chasse alors que je cherche l'os. C'est une drôle de façon de ranger ses affaires. Que normalement, linge, on ne met pas dans des... Genre dans des placards ou un truc comme ça. Il a peut-être pas de placard, le pauvre. Gardez-les, là. Ils vont se faire chasser comme c'est pas possible. Pas sûr que ce soit un cauchemar, hein. Il est un peu trop calme à mon goût. Là, ici, en tout cas, je peux pas me cacher. Est-ce que là, on entend la petite musique au piano derrière, Exia ? D'ailleurs, ça va, Exia ? Qu'est-ce que tu faisais de beau, dis-moi ? Et que quelqu'un t'urique. Là, pour l'instant, il n'y a rien. Je ne trouve pas l'os. Ça veut dire qu'il est pas ici. Salut Alex, comment vas-tu ? Et je tiens à te remercier. D'ailleurs, pour le petit commentaire que tu as mis sur la chaîne YouTube, c'est très gentil. Ça et moi, on était très contents. Et on est présentement en train de chercher l'os. Jus de monstre. Ah, je dois boire du jus de monstre. Attendez. Ah, merci de vous inquiéter de mon hydratation. Léon ! Ah, mais c'est ça, il y a une cave. Peut-être que j'ai pas été chercher. Peut-être que c'est dans la cave qui se trouve le truc. Est-ce que vous avez trouvé le dernier indice ou pas du tout ?
Putain, il y a des choses qui ont été bougées là. Il est où le truc qu'il y avait pour se cacher avant? Bah, je sais pas. Ah, est-ce que c'est ici que je vais trouver l'os? Non. Ah, là, il y a une cachette. Là, non. En tout cas, c'est un fantôme qui est très calme. La première partie, il a pas attaqué alors que j'étais à 10% de santé mentale. Seul. Dans une pièce. Dans le noir. Et là, pour une raison ou une autre, Tariq. Tariq qui est en train de faire des trucs, de chanter, tous des trucs comme ça. Et il ne se passe rien. Je crois que vous êtes un fantôme. J'ai dû l'attraper là, non? Je sais pas. Ah, c'était une chasse? C'était une chasse? Bah écoute. Attends, je regarde. Ça y ressemblait parce que moi. Ok, là c'est une chasse. Ah, j'ai réussi à la voir, yes! J'ai eu la photo du fantôme en 3 étoiles. Par contre, là on le voit carrément et pourtant ça compte pas. J'ai toujours pas trouvé l'os d'ailleurs. Qui est-ce qui va mourir? Qui est-ce qui est à l'intérieur là avec le fantôme? Je crois que c'est Sora, ouais. GG, merci, mais en même temps, j'ai rien fait de spécial. Le fantôme est apparu devant moi, j'ai pris en photo, voilà, c'est tout. Et en plus, vu le nombre de photos que j'ai pu prendre, il est resté plutôt longtemps devant moi, ce con. Mais attends, mais si vous avez pris l'os en photo, qu'est-ce que vous me racontez, bande de menteurs? Ouais, c'est ce que je vois, ouais. Non, t'inquiète. C'est Rick qui fait n'importe quoi. Sora, tu voudrais bien encadrer ton ami, là. Bon, est-ce qu'on a, on a le troisième indice, finalement, ou pas, là? Attends. Ouais, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche soit des écritures. On cherche soit des écritures. Soit des dots. Soit des températures glaciales. Très bien. Attends, vas-y, je prends un médicament, je vais y aller moi-même. Hop. Attends une minute d'ailleurs. Est-ce qu'on a ce qu'il faut au moins? Parce que c'est bien gentil, mais... Ah, c'est pas un yokai. Hein. L'encadrer? Attends, je vais chercher un tableau. Oui, s'il te plaît, encadre-le. Alors déjà, il vient de tout éteindre. Il a fait sauter les plombs. Il a fait sauter les plombs. Je vais aller rétablir l'électricité. Ça marche. Alors par contre, il est où son foutu truc là? De l'autre côté? Bah on va aller de l'autre côté. Hop, je ferme la porte parce qu'elle me gêne. Bah! Je rêve, mon fantôme a... Le fantôme a essayé de fermer ce truc avant que je rallume. Non, c'est pas possible, pas d'aussi loin. Hein. Pas d'aussi loin, il a pas pu faire ça. Me dis pas qu'il a encore une fois... Non, ça va. Non. Mais quelqu'un a allumé la télé. C'est
J'aime pas ce bruit là par contre. Hop. Voilà, merci. Bon alors qu'est-ce qu'il fait là? Tu risques pas d'avoir grand chose si t'es dans... Hop, je ferme la lumière. Regardez-le en fait comment il a peur. Ça marche. Moi je le surveille de là, s'il passe dans les trucs, je le verrai. Il a changé de pièce. Quel con. Bah alors il est peut-être dans la... Attends, il est peut-être ici, regarde, viens voir. Viens checker. Là ici. Là, ici, exactement, parce que tout à l'heure il a allumé la télé. Ou alors c'est un con qui a allumé la télé. Ah ! Il y a la lumière qui est en mauvais état ici. Ça fonctionne mal. Il y a un fantôme dans cette maison hantée. Ted Myers ! Ted ! Teddy. Ah. Je suis là. Ah, il aime bien la télé, là. C'est parce que j'ai crié Ted Myers, c'est pour ça. Ou alors c'est parce que je l'ai appelé Teddy, il est peut-être un peu vexé. Ou alors c'est parce que on est tous à moins de... Oh, punaise, la santé mentale. C'est peut-être ça aussi. Peut-être qu'il... Bon bah du coup c'est plus dans cette salle-là, ça sert à rien de garder des trucs ici, faut aller les chercher et puis... Allez hop, ouais. Et moi alors j'ai pas droit à l'absinthe? Vexe-le encore plus. Ah non, on va le vexer mais plus tard. Attends, je dépose mon burrito séché. Mon burrito séché. Oui, ça remonte petit à petit. Mais regarde ta santé mentale, elle remonte petit à petit. Faut attendre un peu, regarde, 45. 51. Mais du coup, est-ce qu'il y en a encore un petit peu de l'absinthe pour moi ou pas Ah oui, je l'ai vu, il regarde la télé, il zappe. Oui. Quoi? Non. C'était ce qui... Bah c'est ce qui est supposé être ici, quelque part là, mais il y est plus. Oui, c'est ça. Faut l'allumer. Tu veux que j'essaie de le prendre? Ah oui, j'imagine que tu sais comment... Mais on sait jamais, hein. Peut-être qu'avec l'autre fois, il veut rien faire, et avec quelqu'un d'autre, il voudra bien. Hé, hey, fantôme. C'est un peu con, hein. Bon, bah, il faut tout recommencer, mais dans l'autre pièce. Apparemment, oui. Ils ont dit oui tout à l'heure. Par contre, étant donné que j'ai quasiment rien payé, hésitez. Enfin, je vais le vexer à fond, hein. Teddy ? Teddy, parle-moi, dis-moi quelque chose. Vas-y, j'éteins la lumière. N'hésitez pas à regarder dans ma caméra si jamais vous voulez voir des choses intéressantes. Teddy !
Oh, c'est joli ce que tu nous as fait là. Ted ? Ted Bounty ? Eh ben, c'est un sacré petit con, le gars. Quoi? Aïe, aïe, aïe. Bah, attends, ça, on n'en a pas besoin, du coup. On n'a pas le troisième indice. Mais forcément qu'on n'a pas le troisième indice, on n'a pas replacé tous les trucs qu'il fallait. Et en plus... Pourquoi ? Tu survis de l'extérieur ? Non mais... J'hallucine. Attends, est-ce que du coup... On va tout rallumer, comme ça si jamais c'est un cauchemar, il va être moins apte à chasser. On va prendre le matériel, on va le déplacer par là-bas. Bon, il y a un crucifix qui a brûlé par terre, mais faites pas gaffe. Il y en a un qui a brûlé sur la table, mais faites pas gaffe. Moi, je suis sortie, je suis dans la rue. Je peux plus m'avoir. Par contre, j'aurais bien aimé pouvoir... J'ai déposé des trucs, mais... Est-ce que ça se voit sur l'écran ? Ouais, ça se... Si, moi je les vois. Les dots. Non, mais j'ai déposé les dots déjà. Attends, mais déjà on va regarder si on a besoin des carnets. Parce que c'est soit un cauchemar, soit un yokai, soit un onryo. Donc cauchemar, c'est... Ah oui, écriture, ok. Onryo... Ce sera les températures glaciales. Si, moi j'en ai vu tout à l'heure. Et c'est quoi le dernier déjà ? Et yokai, ce sera le projecteur dots. Moi je vois quelqu'un de suspect à la fenêtre, mais je sais pas si vous le voyez vous aussi. Il a disparu. Oh ! Les dots ! C'est les dots ! C'est les dots! C'est les dots! Ah ouais, il est apparu, il est bien apparu. Hein. Attends, ça fait quoi déjà les yokai? Eh ben écoute, faut croire qu'il aimait bien le tien. De son. Un comble ça. Écoute, la prochaine fois, essaie de faire des, je sais pas, des imitations, quelque chose comme ça. T'as déjà essayé de faire une imitation de Macron à côté de lui? Ça pouvait que l'énerver. C'est Donald Duck. Moi, je veux une imitation. Je veux une imitation de Donald Duck. Oh, il y a des noms. Non, mettez des trucs et puis on s'en va, là, les enfants. On en a assez joué ici. Regardez-moi ça, là. Ils ont laissé leurs trucs traîner, là. Et rangez votre chambre la prochaine fois. Ça coupe. Moi, j'ai rien entendu.
Ouais, exactement. Ah oui! Ah oui, c'est vrai, vaut mieux pas le faire sur Twitch, hein, s'il te plaît. C'est un super pouvoir plutôt étrange. Attends, bah moi non. Non, moi non. Quant à ce qui se passe en bas, ça ne regarde que moi. S'il vous plaît. Mettez prêt, merci. Ah, mais punaise, mais qu'est-ce qui m'a donné des gosses pareils? C'est bien ce que je dis, vous êtes dissipés ce soir, hein. Qui est-ce qui prend toujours le thermomètre? Laissez-moi le prendre 2 minutes. Ah, crotte, hein. Qui ça, moi? Mais ouais, mais regarde, mais il prend toujours tous les mêmes. C'est toujours moi qui me tape le livre et c'est nul. De toute façon, la Spirit Box, ils me répondent pas. Ben j'espère que vous allez mourir. Bon, vas-y, j'ai ramené les trucs parce que sinon après ça va encore une fois. Fais gaffe, tu grésilles. Ah mince. Ben, il va falloir que je refasse les réglages. Ouais, que je refasse les réglages. De mon micro. Pardon. J'étais perdue. Alors, c'est dans la nursery. C'est peut-être parce que j'ai. Ah bon? La nursery. Tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas dire où c'est. Hein. J'aime pas les enfants, donc en général, c'est les endroits que je fuis. Tenez, si vous voulez interroger, je pose ça là. Voilà, ça, je pose ça ici. Y a une mimine? Une main? Mimine? Pas une mimine. Ok. Ultraviolet, c'est fait. Est-ce que c'est mieux la Twitter? Est-ce que je grésille encore ou bien ça va? Ça se trouve. Ça se trouve, c'était la pluie qui me faisait grésiller, hein, peut-être. L'effet de la pluie. En tout cas, c'est excellent ça, comme ambiance là. La pluie, les éclairs, la musique de Luigi's Mansion en fond. Alors. Ça marche très très bien, moi j'aime beaucoup. Parce que toi, tu prévois rien. Tu es encore un débutant. Hop là. Oui, tu es un bluff. Tu es la bleuzaille. Pas du tout. Oh bah dis donc, qu'est-ce que j'ai vu passer là? C'est les dots. Je répète, c'est les dots. Dots, dots. Vous avez noté les dots? Ah bah toi oui, je me doute, mais c'est surtout les deux autres zigotos qui m'inquiètent un peu, tu vois. Finaison. Regarde, même le temps, il n'est pas content de ce qui se passe là actuellement. Est-ce que. Ouais, je pense que c'est bien, hein, ce serait bien. Et surtout pour Rick.
Surtout pour Rick. Sora, ça va encore, mais Rick. Ah ouais, ouais. Je suis très contente de comment j'ai placé ma caméra. Oh, je suis très fière de moi. Ah, il y a un livre qui est passé. Spirit Box ? Ah bah c'est un fantôme hein. Ah il est passé dans les... Bah attends il... Ah oui, bah oui, il est passé dans les dots. J'avais dit ça tout à l'heure. Ben, il reste que les objectifs secondaires du coup. Hein. Vas-y, moi je vais prendre des photos là. Nettoyer la zone avec l'encens. Attends. Il y a Spirit Box, Ultraviolet et Projecteur Dots. Voilà. Moi, je vais aller prendre des photos. Est-ce que quelqu'un a trouvé l'os ? Il est où ? Et on a pris une photo de l'os ? Ok, très bien. Je sais pas si je l'ai eu. Mince. Il est passé devant moi. J'ai raté l'occasion. Ah, est-ce que ça compte ça ? Interaction. Ça compte. Est-ce que quelqu'un peut me lire les spécificités du fantôme, s'il vous plaît ? Et laisse ça éteint. Comment tu t'appelles ? Tu veux être mon ami ? Oh ! Comment tu t'appelles, tu dis ? Répète ! Ah ! Ok. Moi, c'est Elodie, mais tu peux m'appeler Elle, si tu veux. T'as quel âge ? Quel âge as-tu ? Ah, t'es un jeune. Oh. Où est-ce que t'es ? Où es-tu ? Tu veux bien être mon ami ? Oh ! Ah, j'ai eu qu'une interaction. Bah, écoute, merci, au revoir. Hein. Incroyable, il était vraiment très amical, ce fantôme. Écoutez, j'ai passé le meilleur entretien avec un fantôme de toute ma vie. Ben, je crois que oui. À moins que Sora... Non, c'est pas Sora, c'est Rick. À moins que Rick soit encore à l'intérieur. Ah, il y a une chasse. Ah, il va mourir. Ouais. Il était très sympa avec moi, pourtant. Je comprends pas. À mon avis, Rick a dû le provoquer. Moi, il était bien gentil. J'ai pas arrêté de lui parler. J'ai pas arrêté de lui demander il avait quel âge, s'il voulait être mon ami, où est-ce qu'il était dans la pièce. Et il me répondait, le gars. Il est trop sympa. D'ailleurs, il s'appelait comment ? Jan Alstit. Et attends, y'a pas une fenêtre qui donne là-dessus ? Rick, t'es mort ? Ah, apparemment, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est encore en vie, ouais. Ouais, ouais, la chasse était longue parce qu'il n'arrivait pas à le trouver aussi. Ah, tant mieux. Ah bah on est en pro hein. Mais par contre je comprends pas comment il a fait pour... Je sais toujours pas comment il a amené... Comment ça se fait que le fantôme t'a attaqué toi alors que moi tout à l'heure j'ai pas arrêté de faire copain-copain avec lui. Ah ouais... Bon bah vous avez mis votre truc là et puis on y va.
un fantôme. Oh punaise, le truc là ici, il est tenté. Passer au travers de l'écran. Bon, je reviens. Je reviens parce que... Phantom Discovery. Je vous laisse 2 minutes les bleus, bah, parce que je dois faire pipi. Voilà. Je reviens. Pourquoi ça rigole là? Ah, bonsoir Brice. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon. Oh, pitié. T'as quelle humeur. T'as qu'à mettre un creveux dans ta bouche, ok? Bon. L'heure n'est pas du tout... Quoi? Ben, c'est pas grave. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, coudre ta bouche. D'accord? Non, avec du fil non biodégradable. Je m'en fous. Voilà. Bref. C'est effectivement le cas de le dire, ouais. Du coup, t'as fait connaissance avec Rick, j'imagine, Norris. C'est vrai. Mais il est suivi. Il est suivi de pas très loin par son collègue. Hein. Bon, est-ce qu'il y a moyen de partir en chasse là? Ou bien on est ici pour boire du thé? Ah. Je vais prendre des briques et je vais leur balancer la figure. Ouh!
Vous lancez un... Allez, faites quelque chose! Faites quelque chose! Ya! Yeah. Ya! Yeah. Je peux peut-être aller encore plus loin si je... Non. Ya! Yeah. Non, c'est vraiment le plus loin que je pourrais aller. T'as de violence, mais oui, mais en même temps, tu sais, j'ai pas le choix parce que t'as dit KO. J'arrive. Regarde, j'ai même pas besoin de me déplacer, hop. Quoi ? Ah bon, je pense que c'est... Moi, je pense qu'au contraire, il adore l'argent et que lui rappeler qu'on n'en a pas gagné, je pense que ça l'a mis un peu sur les nerfs, tu vois. Tu devrais aller t'excuser. Il y a moyen de lancer une game, là. Rick, est-ce que t'es là ? Est-ce que tu me reçois ? Ce que je pensais. D'ailleurs, qu'est-ce que t'es... Oris... Encore une personne de la famille Myers, mais ils sont tous morts dans le coin, c'est pas possible. Allez, cette fois-ci, c'est moi qui prends ça. Absolument. À la lettre. Est-ce que tu seras en train de contester les instructions, Sora ? Tu vas prendre du matériel et aller dans la maison et chercher... Et, par exemple, attends. Et tu vas essayer de détecter la présence d'entité avec un capteur de mouvement. Voilà. Ah oui, capteur de mouvement. Bon, et j'espère que cette fois-ci, Rick va y passer. Contester en démon. Ouais, je me demande si c'est pas ça... Je me demande si quelque part... Dans le garage, il dit. Allez, on y va. Vous avez rétabli l'électricité, là ? Merci. On va aller voir le garage, du coup. D'ailleurs, l'électricité est où ? Elle n'est pas dans la cave ? Elle est dans le garage, j'imagine. Ouais, t'inquiète, c'est sûrement qu'il est dans le coin. Ah. On est à 7,7 degrés ici. Attends. Benjamin Myers, est-ce que vous êtes là ? Donnez-nous un signe. Où êtes-vous ? Que voulez-vous ? Ok, il y a des orbes ici. Hop, fantomatique. Pour l'instant, ça, j'en ai pas besoin. Je vais surtout regarder. Quelle température on a ici ? On est à 4. Pour l'instant. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi t'aimes pas des dots ? Ah. Oh. Il est interdit de critiquer le travail de ses camarades.
Il a critiqué, alors je sais pas qui a mis les dots ici, mais il a critiqué le comment ils étaient mis. Voilà. La cohésion d'équipe, c'est important. Bien. On va regarder comment ça se passe. Ouais, j'ai entendu. Je suis pas sûre que la Spirit Box était à fond, donc je vais y retourner avec. Je regarde s'il y a encore des... Il y a des dots. Spirit Box apparemment. Ben, t'as le droit de l'engueuler si tu veux, vas-y. De vrais gosses. Alors, crucifix, encens. Ouais, tu vas aller prendre de l'encens et tu vas protéger quelqu'un quand il est en train de chasser, tiens. Ça te fera les pieds. Il y a l'un de vous deux. Il y a l'un de vous deux, je sais pas lequel, mais il va prendre de l'encens et il va protéger l'autre quand il y a une chasse. Voilà. Je crois que c'est... Ouais, techniquement, ça marche. Regardez, la croix se déplace toute seule, je suis intangible. Mon ombre. Il y a une ombre toute seule. Hop. Enjoy. Non. Écriture. Qu'est-ce qu'il a dessiné du coup? C'est sûrement un cauchemar, mais c'est pas un artiste en tout cas. Il a fait des bonhommes bâtons. Horis, on a affaire à un cauchemar qui fait des bonhommes bâtons. Écriture fantomatique, c'est un cauchemar, donc tant que c'est éclairé, normalement, il devrait pas être trop tenté d'attaquer. C'est vrai que ce serait drôle, ça. Alors, la boîte à musique, il m'a jeté quelque chose. Quelque chose est écrit dans notre livre. Bah, j'ai pas besoin de ça en fait, on a déjà des photos. Je vais prendre un burrito moi aussi. Il fait partie de la famille Myers, je sais plus comment, attends. Benjamin. Myers, ça pourrait le vexer. Il a marché dans le sel. Si quelqu'un qui a un appareil photo ici là, vas-y prends une photo du sel. Arrêtez de jouer avec la voiture s'il vous plaît. Oh, il écrit encore des trucs. Ah, écrit. Non, mais comme je te disais, c'est pas un artiste. Hein. C'est un cauchemar, mais il sait pas dessiner. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas Myers, c'est Myers. Benjamin Myers. Tu es Eric. Donnez-nous un signe. Tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. Nous avons peur. Tu es quelqu'un. Attends, je vais l'encourager un peu plus. Sale monstre!
Vous êtes... Tué. Benjamin Myers, tué sera en premier. Tué sera. Tué sera en premier. Benjamin Myers, nous t'invoquons. Oh, qui est dommage, tiens. Si, si, il y a une chasse en cours, c'est juste qu'il y a un mort. Oh, ok, dommage. Oh, pardon. Est-ce que ça a validé? Ah, bah écoutez, j'ai essayé avec l'ensemble, mais ça a pas marché. Dis donc. Bon, bah écoutez, il attendait à la porte. Je l'ai invoqué et ça a marché, mais. J'avais dit hein, que quelqu'un allait mourir ce soir. C'est évident. Il fallait bien que quelqu'un meure au moins une fois. Tu veux pas y retourner ? C'est bien vrai. Que tu finis. Ouais, je pense qu'on va partir sans Rick. Je veux dire, on a essayé le truc du crucifix, mais bon. Mais la 70 de santé mentale. Game camion. Je sais pas si elle a fait une game camion. T'as fait une game camion, Russ? Sera, tu n'oses jamais dire que je fais de game camion parce que je ne fais jamais de game camion. Et sur ce, on s'en va. Vous avez mis vos trucs là ? Après, au moins, l'avantage, c'est que quand il y a des... Après, l'avantage, c'est que quand il y a des... Quand il y a des orbes à spotter, bah, il les trouve. Ah ! Quelqu'un est revenu d'entre les morts. Oh, une farmhouse ! Ah, la farmhouse. Ah, c'est terrible ça. En général, elles sont maudites. Elles ont dirait des vieux couples. On dirait un vieux couple. Bon bah du coup, on va dans la farmhouse. On peut pas les enterrer là une fois qu'ils sont morts, histoire qu'ils reviennent plus. Vas-y, cette fois-ci, c'est moi qui suis. Pourquoi tu voudrais acheter un chien? Allez hop. C'est vous. Ça s'appelle Stacy Mills. Micro-parabolique en sang et santé mentale en dessous de 25%. Ça va pas être compliqué, ça. Oh non, punaise, il neige. Oh, j'aime pas ça. Bon, bah, on va essayer de rétablir l'électricité. Ici, déjà? Oh.
Tiens, je laisse ça ici. Comme ça, tu peux surveiller et je vais aller essayer de rétablir l'électricité parce que... Hop, je reviens. J'en profite pour regarder s'il n'y a pas un objet maudit quelque part. Il y a peut-être la main du singe. Oh. Alors, pour rétablir l'électricité, il y a un paillasson. Ça veut dire que c'est pour sortir. Ouais. Ah, il suffit d'être un peu logique dans sa tête. Est-ce que c'est ici? Pas du tout. C'est où pour rétablir l'électricité? Quelqu'un saurait me dire? Laisse tomber, l'électricité a déjà été rétablie, mais merci quand même. Game camion. Ah bah ouais, d'accord. Oh, il y a du gaz ici. Vu le prix que ça coûte, on pourrait l'embarquer. T'attends de mourir, je parie. Dans la cuisine et du coup il s'assoit par terre, très bien. Je vais ramener des trucs. Je bois un truc. T'as eu confirmation? Alors, on m'a dit que vous étiez dans la cuisine. Alors, si jamais vous voulez écrire quelque chose sur mon petit livre, moi, ça... J'avoue que ça me ferait grand plaisir. Hop. Par contre, j'aimerais vous parler. Pour ça, il va falloir que j'éteigne. Bonjour. Où êtes-vous? Que voulez-vous? Donnez-nous un signe. Ah, merci pour votre signe. Où êtes-vous? Par contre, le signe était dans cette pièce. C'est ça qui me... Est-ce que vous êtes ici? Tu dis s'il te plaît. Non mais oh, il est pas né celui qui va me dire ce que je dois faire. Je vais aller chercher d'autres trucs. J'espère qu'il va mourir. J'espère que Rick va mourir. Tora ! J'espère que Rick va mourir. Ouais. Peut-être que si on l'espère assez tous les deux, ça va se produire. Attends, viens, on va regarder ce qui se passe. Attends, viens, on va regarder comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il fait ? Il sort ? Faut pas qu'il sorte, hein, faut qu'il reste à l'intérieur. Hein. Sinon, comment tu veux qu'il meure? Ah, c'est bien. Stacy Mills, tu es Rick. Stacy Mills, tu es Rick. Stacy Mills. J'essaie de l'invoquer. Non. Je vais aller chercher... Je vais poser du sel. Ce n'est pas n'importe quel sel, Harry. C'était un imbu. Non. On va déposer du sel. Là. J'ai dit là. Voilà. Il n'y en a plus dedans. On va prendre un petit thermomètre, là. On a 5 degrés. Il fait froid, mais pas trop non plus.
que vous voulez bien marcher dans notre salle, s'il vous plaît? Dans la pièce d'à côté, c'est-à-dire salle ou... Dans le salon? Attends, tu veux dire là? Là où je me situe? Attends, non, c'est le salon, ça. Est-ce que Oris aurait eu raison, des fois? On va regarder ça avec les températures. On est à 2 degrés ici, donc... ça pourrait effectivement être ici. Ah ouais, j'avoue, enfin magnifique, c'est, ça dépend. Donc oui, il y a un projecteur dots. Laisse-moi deviner. Ah. Oui, non, non, on va pas en dire plus. Faut jamais parler d'un vœu, même quand il a été exaucé. Alors, quelle est ma santé mentale? Ah. Mon vœu s'est exaucé. Mon vœu s'est exaucé, du coup, mais j'imagine... Quoi? On va pas Sora laisser se débrouiller tout seul, on va y aller avec lui. Le pauvre. C'est une bonne idée, ça. On arrive, Sora, on va pas te laisser tout seul. Bah super. Hein. Bah je crois qu'Oris y est passé aussi. D'un autre côté, ma santé mentale, elle est pas au top. Hein. Je suis à combien de santé? Bah ouais, mais je suis en... C'était en santé mentale, elle est dégueulasse. Attends, je vais regarder. On a eu les dots. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme indice? On en a d'autres ou pas? D'accord, très bien. Il y a des orbes. Donc c'est soit Yokai, Raiju, Banshee, Yurei ou Taillé. Sachant que si c'est une Banshee, on devrait l'entendre grâce à sa petite appareil là. Le Taillé, je pense pas que ce soit ça. Comment est-ce qu'il se comporte depuis tout à l'heure, dirais-tu, le fantôme? C'est pas un Yurei parce que notre santé mentale, elle est pas assez... Elle reste encore au quai tiers. T'as peur? Pas mourir. Bon, imagine que c'est moi qui vais devoir. Mais reviens! Bon, vous avez entendu, hein, j'ai essayé de le sauver. C'est comment niveau température? Il a marché dans le sel?
Je sais pas qui me ramène de la bière, mais je bois pas de bière. Je n'aime pas l'alcool. Bon, je viens avec toi. Attends. Non, j'ai pas le choix. Je vais venir avec toi et je vais écouter ce qui se passe. On n'a pas une lampe UV ? Dieu, qui est-ce qui a placé ça là, comme ça là ? Lumière ! Je sais plus comment elle s'appelle. Stacy, donnez-nous un signe. Donnez-nous un signe. Faites quelque chose. Oh, faites quelque chose. C'était quoi ce bruit? Attends, est-ce que ce serait une banshee? Ouh! C'est toi qui avais éteint la lumière, non? Dites quelque chose. Où êtes-vous? Donnez-nous un signe. Faites-moi peur. Faites-moi peur. Où êtes-vous? Quoi? Vous êtes ici? Vous avez changé de pièce? Attendez, j'allume. Parlez-moi. Dites quelque chose. Oh, c'était une chasse. Bon, j'ai parlé de... Parler, normalement, parler, ça implique pas d'action. Par la bouche. Bon, ben, rip, hein. Je vais voir ce que Sora, il faut qu'il s'en aille, hein. Moi, je vais mettre un truc au hasard. Je vais mettre un yokai, hein. Les yokai, ils sont chiants. C'est la fin. C'est un rageux. C'est un rageux. Ah bon? Bon, ben, je te fais confiance. Non. En plus, j'ai rien à balancer, moi. Non. Ouais, je suis obligée de prendre un truc de bière, sérieusement. Je vais prendre un verre. Ah ah, lol. Est-ce que je peux ramasser ce truc-là? C'est un truc... Non, les plantes, je peux pas les ramasser. Très bien. J'aurais bien aimé. Bon, alors, qu'est-ce qu'il fait, Sora, là? Prochaine game, on essaie de faire en sorte que ce soit lui qui meure.
Déjà, tiens, je lui balance un verre. Sora, Sora, allez! Quoi, au secours? Oui, et bah quoi? Non! Oui! C'est bien, vas-y, oui, on s'en va. Non, j'ai mis quoi, moi? C'est bon, j'ai mis un Raija. Raiju! Tous les coups, ce sera pas un Raiju, en plus. Bon, tous les coups, c'était un Raiju. J'ai entendu... Vous avez péri, moins 50%! Quoi? Pourquoi? Mais... J'ai besoin d'argent pour mes mon enterrement et tout ça, quoi. Ça coûte cher, un enterrement, nos jours. Du pain. Du pain. Oui. Non, il n'y en avait plus. Enfin, du pain de mie, quoi. Du boulanger. Ah, ça, c'est une bonne question. Comment tu fais la différence? Ben, je le ferai et je te dirai. Ben, les enfants, je suis sûr que je suis plus vieille que toi. Quoi? Mais j'étais prête il y a 2 minutes! Il y avait pas un objectif spécial Halloween à faire aussi? Non. Non, on peut encore le faire. Non. Non, on peut encore le faire. J'ai eu un message comme quoi on pouvait encore le faire. Tu vas mourir, Sora. Non. Trop tard. Ah ouais, tu vas mourir sur un Loris. Il va mourir. Ouais. En vrai, je vais pas prendre un livre tout de suite. Je vais pas en prendre ça et du sel. Ouais. Bon, on va aller aussi chercher, hein, écoute. Hein. Moi, je dis. Ori, si un jour tu as l'occasion d'essayer, je te conseille d'essayer le pain aux noix, c'est délicieux. D'accord. Il n'y a pas une petite lumière allumée là? Hop. Voilà, c'est tout de suite plus chaleureux quand même.
Ah bon? Est-ce qu'on a une idée de où est le... Le quoi, tu dis l'os? T'as compris de quoi il parlait, toi, Auris? D'accord, donc tu parles de l'os, mais pas du fantôme. Ah, tu vois, ça c'est nouveau, avant ça y était pas. Le petit bureau là. Oh! Hé! Hey oh non! Ben, le générateur s'est coupé, j'étais sur l'ordinateur. Ben, je vais chercher après le générateur. Quelqu'un a une idée de où se situe le générateur? Ah punaise. Pas pour ça. Et le fantôme, on a une idée de où il est? Il est dans la maison du coup. On va essayer de trouver. Vous faites attention, il y a des ours dans la zone. Moi, je sais pas, j'ai dit ça, il y a un panneau qui dit qu'il y a des ours. Vous êtes parti où, là? Je suis perdue. Ah bah en voilà. Je vous attends au niveau des encombrants, des poubelles. Si j'arrive à revenir, oui. Ah, c'est un totem. Là, c'est quoi? Là, c'est la maison de la réception, donc je dois pas être très très loin du camion. Il y a la réception. D'accord, et après je dois aller où? Ah. Ah. J'ai pas trop le sens de l'orientation, hein, désolé. Ah là, c'est bon, je suis revenue.
Qui est-ce qui a choisi cette map ? Qui a choisi cette map ? Je dénonce. Sora, c'est toi qui as choisi cette map ? Ok, c'est Rick. Bon, alors du coup, où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Non, bonjour. Nord-est, au nord-est, ok. Mais comment on sait où il nous reste ? Non. Non, j'ai pas de boussole. On va essayer de se retrouver grâce au soleil. Mais malheureusement, il fait nuit. Bah écoute, il débrouille, hein. Attends, on va dire que là, par exemple, on est au nord. Donc si c'est au nord-est, ça veut dire que ce sera plutôt par là. Quelque part par ici. La chasse est finie! Bon, à tous les coups, il est mort. Rick est mort? Bah je l'ai pas vu en tout cas. Ok, donc là par exemple. Bah je sais pas en tout cas d'où il vient, je sais pas où il est hein. Je crois que j'ai trouvé l'endroit. Mais d'où t'es venu me chercher ici? Bon bah ils ont plus qu'à chercher mon corps. Hein. Ils viennent chercher mon corps et ils sauront où est le fantôme. Ça l'a dit. Ils trouvent mon corps là-dedans. Ben GG. Ah quoique, non ça doit être facile finalement. J'ai l'air contente, mine de rien, d'être décédée. Je me dis, oh, écoutez, au moins tous mes problèmes sont finis. Maintenant, le tout, ça va être de voir s'il n'y en a pas un seul pour trouver mon corps.
Je vais prendre ce ballon. Après, normalement, c'est pas si loin. Hein. Ouais, c'est par là. Ah ouais, en vrai, il est pas loin du tout. Je vais essayer de leur faire un chemin. Là. Ici. J'espère qu'ils ont déjà vu le petit poussé. Ah mince, ça marche pas bien. Ah ouais, mais le fantôme, il... Ça va là. Normalement, il devrait bien savoir ce que... comment faire. Ensuite, là-bas. Ensuite, ici. Après, il faut sortir par ici. Oh, cool, je peux faire avec les chaussures. Ensuite, là. Ensuite, je prends ça. Je le mets ici. Je vais prendre une autre chaussure. Est-ce que je peux prendre plusieurs objets ? Non, je peux prendre qu'un seul objet. Ensuite, je mets ça là. Attends, on va vérifier qu'il est bien ici. Où est-ce que t'es, mon gars ? T'es là ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Il est coincé dans les draps ou bien ? Bon, il est dans le coin, hein ? Je l'entends. Ah, il a trouvé quelqu'un là. Ça se voit tout de suite. Mais du coup. Ça c'est quoi ça? Non, ça je peux pas. Ah, je l'ai la chaussure en fait. Elle est là, c'est juste que je la vois pas. Très bien. Voilà. Moi, il me semble que c'est quelque part par là. Ah ouais, il est grave là-bas en fait. Ça me paraît bien. Eh, hey, rends-le-moi ! Ah là, il est ici en fait. Je vais faire un chemin jusqu'ici. Voilà, en espérant qu'il vienne pas tout foutre en l'air lui là. Écoute mon gars, je t'emprunte cette chaussure. Ça va me servir. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a une quille. Les quilles, ça marche bien, ça aussi, pour indiquer les chemins. Voilà. Voilà, normalement... Normalement, ils peuvent pas se perdre. Normalement, il y a un chemin qui mène à la pièce. S'ils veulent bien prendre le temps de le suivre. Quoi ? Mais non, faut pas avoir peur, on est mort. Regarde, j'ai fait... Regarde comme je leur mâche le travail, hein. Je leur dis où est-ce qu'ils se trouvent. Hein. T'as vu tous ces objets là qui se... Ah non, lui il est mal placé. Eh ben viens, regarde. Il suit les objets que j'ai posés sur le sol. Ouais, c'est normal, t'es mort, mais t'inquiète, imagine t'es vivant. Bon alors déjà ici, il y a mon corps. Et en fait, il est ici. Il est ici quelque part, le fantôme. Non, mais en même temps, Rick, il se trompe tout le temps.
Ça va être compliqué. Hein. Bon, déjà, j'ai emmené un truc. Enfin, une chaussure. Voilà. J'avais préparé tout un chemin et tout. Moi, je pense pas. Hein. Moi, je ne pense pas que ce soit un démon. On n'a pas d'indice, non. Non, mais... J'ai pas d'indice, mais je sais où est-ce qu'il est. Dis-moi, Horis, suis-nous. Viens. Viens. Suivez-nous. Ori, s'il te plaît! Qu'est-ce qu'il dit? Non. Oui. Oui. Vas-y. Ah, il prend notre gosseuse, ok. Faut juste le mener là où j'ai fait le chemin et après normalement ça devrait aller. Enfin! Enfin! Et c'est ici! C'est ici où le fantôme il est! Le fantôme il est quelque part par là, fouillé! Est-ce qu'il va se faire avoir? Punaise, où est-ce qu'il est? Il a popé quelque part par ici. Après le tout, c'est juste... Ah, si seulement on était venu ici dès le début. Est-ce qu'il l'a eu? Il est derrière toi, regarde-le. Je pense qu'il est quelque part par là. Qu'il faut chercher quelque part par là. Donc, je fais encore un chemin jusqu'ici. Et ils pourront pas dire que j'ai pas essayé de les aider, hein. C'est épuisant de faire ça, hein, même quand t'es en fantôme. Hein. T'as encore une chasse? Oh, il y a une clé ici qui est cachée. Ah, moi je dis que c'est quelque part par là.
Bon, alors, est-ce qu'ils vont réussir, du coup, Hé ! Ils sabotent ! Ouf, heureusement ! Ça y est, ils ont faim. Allez, s'il vous plaît, que j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Ah. Punaise. Regarde comment ils ont vu l'autre. Ah. Eh ben, il est effectivement quelque part ici. Oh, tu parles, paradis. Si c'était le paradis, j'aurais pas eu à faire tout ça. Regardez tout ce que... Regarde, Oris, regarde tout ce que j'ai dû faire pour vous mener jusqu'ici. Non, moi non plus, je l'entends pas. Et ça m'embête parce que normalement, on me doit des congratulations et puis une tape dans le dos au moins. Quand... Attends, déjà j'ai l'impression que... Il y a quelqu'un qui sabote mon chemin. Bah, il veut rentrer. Bon, bah, je suppose qu'on va rentrer. Est-ce qu'il n'y a pas un petit quelque chose là, que je peux prendre J'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai aucune idée de ce que c'est comme. J'ai ramené ça. Parce qu'on a perdu trop de temps au début, en fait. Bah non, pour moi, on a 0,10. Ça. Ah. Je crois qu'il y a une chasse qui vient de s'enclencher. J'ai entendu le truc se fermer. Ouais, il y a une chasse, donc il va mourir. Attends, je le vois là-bas, là. Enfin, soit c'est lui, soit c'est Sora. C'est toi, Sora? Ah, ok. Il fait quoi, Rick? Il est en train de mourir? Il est caché où? Ah, c'est ici où il se cache. Celle-là, elle est mal placée. C'était pas là où je l'avais mise. Je l'avais mise ici. Bon, pour moi, c'est évident qu'on n'arrivera pas, malgré toute la bonne volonté que j'ai pu mettre... Surtout que le fantôme, il arrête pas de bouger mes trucs. Il est chiant. Oh, mais il tente quand même. Il tente quand même. Attends, je vais regarder ce qui se passe ici, tiens. Pas moyen de m'asseoir, là, sur le petit rondin, là. Bon. Je peux même pas allumer le feu. Allumer le petit feu, là. Je fais de la guitare. Oh... Qu'est-ce qu'il y a balancé ? Vas-y, qu'est-ce qui a balancé ma chaussure là ? J'ai dit qu'elle voulait. Ouais, et il est là le fantôme, regarde. Ah, où est-ce qu'il va ? À quoi il ressemble d'ailleurs ?
Les chauves? Ah! Bah, je sais pas. Attends. Déjà, il va trop vite. Il est rapide, le gars. Ah, ça, c'est vrai, ouais. Mais regarde! À chaque fois qu'il passe dans mon passage, il dégage tous les trucs que j'ai fait. Je crois que c'est sa pièce, ça. Ça doit être sa pièce. Qu'est-ce que tu fais, Sora? Ah, chut. Priez le totem pour qu'on réussisse. Est-ce que je peux récupérer la batte? Non, c'est trop lourd. Vraiment. Là, comme ça, non, pas vraiment. Je sais juste que t'es beaucoup trop proche de moi. Merci. Encore un peu plus loin. Ouais, c'est bon, là. T'as pris le dieu euthanasie. Ah bon, c'est le dieu euthanasie, ça? On n'a pas besoin de prier le dieu euthanasie, on est déjà mort. D'ailleurs, pour info, moi, je suis là. Oh, vas-y, moi, je me mets là-dedans et je sors plus jamais. Adieu. Ciel. Attends, mais si ça se trouve, il est au camion et il est en train de d'essayer de nous parler, hein, si c'est comme ça. Au lieu de vous tourner autour, là. Ah non, il est là. Tu fais quoi, Rick? Ouais, mais on va pas finir sur cette map quand même. Après, on va finir on va faire une autre game plus simple. Ah, mon chat. Vas-y, je vais lui faire peur. Il doit avoir une santé mentale, mais alors, hein. Il a que 2%, je vois pas où est-ce qu'il va aller. Mais du coup, qu'est-ce qu'il espère? L'esprit Weaves. C'est sûrement un yokai du coup, le monstre. Hein. Quoi, non? Mais y a pas de Kyubi. Mais Kyubi, c'est un yokai, tu sais. Un yokai, c'est ça englobe plus de plein de trucs.
Chacun, est-ce qu'on a ça, nous? Est-ce qu'on a un objet chacun Heureusement, j'ai mis plein d'objets à l'entrée. Hop, je vais prendre qui, moi? On va faire une game un peu mieux que ça. Hein. Vas-y, moi j'ai mis yokai, hein, mais totalement au hasard. Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que plus jamais on refait cette map. C'est un Onoyo. On ne fait plus jamais cette map de mort. Donc je sais pas qui décide de la map, mais s'il vous plaît, choisissez 101 plus sympa. J'ai juste la chance, ouais. T'as juste eu de la chance, c'est tout. T'as juste eu de la chance. T'as pas pareil la prochaine fois. Moi, je suis prête, hein, je caresse mon chat. Oui, ma belle. Oh. Ouais, on peut. C'est vrai qu'on peut le laisser faire seul en vrai. Hop. Mais attends, mais Horis, il vient de dire dans ta jeunesse, ça veut dire que là, t'es vieux? Votre durée de vie moyenne. Tu es plutôt jeune ou tu n'es plus tout jeune? Ça, c'est la question que je pose. Tu es plutôt jeune, Horis, ou tu n'es plus tout jeune? Genre un humain, ça donne combien? D'accord. Bye bye. Ça, c'est pas la master bedroom. La master bedroom, c'est là où il y a la... C'est la chambre du détenteur de la master sword. Obviously. On arrive. C'est ici? Non, c'est pas une master bedroom, ça. Pas une master bedroom. Trop nul. Ouais, ça doit être ce qui est ici. Ok, je vais laisser ça ici, moi. On aurait une empreinte, du coup. Ultraviolet.
Oh, tout le temps en train de se disputer ces deux-là. Bon, il est méchant avec toi. C'est vrai que je retiens que globalement, Rick est méchant. Les deux peuvent aller ensemble, tu sais. Il est très con, oui. Je vais prendre un... Ah, ton chat aussi est désespérant. Il n'y a pas que les gens avec qui tu joues. On a juste... C'est un radio, non? Non, c'est pas une chasse. Bonne chasse, non? Regardez. Ah bah, il s'en va très vite. Il s'en va très vite, par contre. Là, c'est une chasse, là. Là, ça, c'est une chasse. Est-ce qu'il va mourir? Non, j'ai l'impression qu'il a survécu. Mince. Pardon. Bon alors, est-ce que il y a d'autres trucs là, à déposer ou quoi que ce soit? Je vais prendre l'appareil photo. Je vais prendre quoi? Non, je vais pas avoir un appareil photo, je vais prendre ça. Alors, santé mentale. T'inquiète, ok. Eh ben, j'allais mettre une bougie, tiens. Moi, je vais mettre une bougie. Il balance des trucs? Je vais prendre des photos. Quelqu'un a pris des photos sinon? J'ai regardé. Ah ouais, ça va. Os, interaction, planche Ouija, fantôme. Est-ce qu'il y a d'autres qu'on pourrait prendre? Bon, on va continuer d'essayer de prendre des interactions. On sait jamais. Oh, je suis frissonne. J'ai froid. J'ai froid alors que j'ai mon chat qui est sur moi. En train de me tenir chaud. Je suis pas dans le camion. Est-ce que vous pouvez me donner un signe, s'il vous plaît?
s'il vous plaît. Je l'ai eu dans son dos. Regarde la photo que j'ai eue. Il aime pas quand on joue de la guitare. Chaque fois que je touche la bite de la guitare, il apparaît, ce con. Non, ça marche pas, ça marche qu'avec moi. Vous aimez pas la guitare ? Ça va pas tarder. Bien. Qui aurait cru qu'il aimait pas la guitare ? On a trouvé ce qui la trigger. Bah attends. Il y a quelqu'un à l'intérieur ? Ah non, Henri, qu'est-ce que tu fais ? Peut-être. Ah ouais, peut-être bien, ouais. J'allais dire peut-être pas, mais si. Empêcher l'entité d'attaquer à l'aide d'un crucifix. Ouais, non, il a pas marché le crucifix. En vrai, on a tout ce qu'il faut en dehors du crucifix. Est-ce qu'on s'en irait pas? Moi, je dis, on s'en va. Ouais. Ce serait dommage que quelqu'un meure à nous en plus et qu'il ait 50% de moins d'argent. Surtout, regardez toutes les belles photos qu'on a prises. Regarde, j'ai réussi à prendre le dos. J'ai réussi à prendre le dos de du fantôme. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu fais quoi? Moi, je suis prête à partir dès que vous l'êtes. Hein. On s'en va, Rick. Je peux pas ramasser les bouteilles vides? Non. C'est nul? Je peux même pas les ranger? Allez, on s'en va. Ah, la fatigue est présente. Trop facile. Et ben voilà, on a gagné 1075 $. C'est pas beau ça? Et j'ai débloqué la caméra vidéo. Mais attends, j'avais pas débloqué déjà tout ça. Ça me semble bizarre. Là ici, regardez, j'avais trop bien pris la photo ici. Je sais pas si vous la voyez, mais on voit le dos du fantôme carrément. Ah
Ah mince, alors on a perdu Rick. C'est dommage. Que tu fais, Sora? Moi, je te vois marcher dans le vide. Ouais. Oh ouais, je pense que ouais. On va s'arrêter là. Moi, je suis fatiguée. J'ai faim. Hein. J'ai faim et puis j'ai froid et puis j'ai soif. Et je suis au bout de ma vie. Donc on va s'arrêter là. Attends, je regarde s'il n'y a pas des gens en raid. Je sais pas s'il y a des gens en raid. Vous avez raid quelqu'un ? Moi j'ai personne. Bah, j'ai écho, moi. À la limite. Moi, je pense, ouais. Parler de pub pour YouTube. Il y a une nouvelle vidéo qui a été postée il y a pas longtemps d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir s'il vous plaît. Attends, c'est quoi le... Ouais, c'est ça. C'est une vidéo sur Green Hell. Ça vous parle ? Ah. Bah, c'est un jeu de survie qui est difficile. Et on s'est fait attaquer par des autochtones, par un jaguar, par un serpent, par des piranhas. On a été empoisonné par de l'eau sale. On a mangé un truc qui nous a donné des intoxications alimentaires. Mais en réalité... Oui. Mais en fait, ça va. On s'en sort plutôt bien. En réalité. Ouais, il y avait chat avec moi. Hein. Ça se trouve, c'est lui qui avait eu tout ça. Hein. On va raid, du coup, Echo. Echo-Rosen. J'ai dit Echo-Rosen. Ok. Mais écoutez, soyez très très sage avec Echo. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et une très bonne nuit. Non, c'est pas. Et bye bye. Dites au revoir. Voilà, merci beaucoup. Bye bye. On y est. Bonne soirée, Sweeta. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, le chat. Soyez sages.